chaudronnier soudeur, moi. Mais c'est pas chaudronnier soudeur, parce que moi je suis polyvalent. Mais Saïd, il a l'avantage de pouvoir faire de la chaudronnerie, du montage, de la soudure, de souder toute position. Comme elle m'a dit, ma biche, elle m'a dit, vous avez des mains en or. Je voulais mettre à mon compte, elle m'a dit, arrête tes conneries, tu vas t'embaucher. Elle m'a dit, t'as des mains en or, arrête tes conneries. Voilà, bah c'est ça. Et ça fait 25 ans qu'on se connaît. Okay, bon, et ouais, ça fait 25 ans qu'il a le même caractère. Ouais. J'ai pas de frein, moi. C'est ça. Toi, l'intérim, c'est, tu vas tout le temps rester intérimaire, c'est ça? Ouais. C'est ton choix, au fait. Elle voulait m'embaucher, je dis non. C'est comme ça. Ouais. En train de... J'ai ça, pas c'est... envie de voir les mêmes têtes tous les jours. Oui, mais tu peux... Moi, c'est au fait, c'est le contraire. Parce que moi, le CDI, pour moi, c'est l'accomplissement de pas mal d'années d'intérim. C'est ça. Non. Dans mon slogan de travail, il n'y a pas de sous-métier. Je veux dire, s'il faut passer par la précarité pour pouvoir après aller loin, on n'a pas le choix, on prend ce qu'on donne, mais après, il faut essayer de voir autre chose, parce qu'on ne peut pas vivre dans cette précarité pendant des années. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec un embauché qui est venu te voir en te disant « Oh, tu vas te calmer un petit peu ?» C'est ce qui s'est passé après. Et on doit satisfaire la boîte d'intérim, on doit satisfaire le client de la boîte d'intérim et on doit être bien vu par les embauchés parce que sinon, si on est mal vu par les embauchés, ils vont nous trouver quelque chose. S'adapter à chaque fois. T'as une chanson triste, il faut faire du triste, quoi. T'as une usine gay, tu fais du gay. Et en ce moment, c'est rock and roll. J'ai été intérimaire pendant pratiquement un an dans le milieu paramédical parce que je suis infirmière. Tout le monde est gentil. J'ai l'impression que vous faites une petite réaction allergique. Hein. En intérim, j'avais l'impression d'être la sauveuse, la sainte, parce que j'arrivais pour remplacer quelqu'un. Donc forcément, vous êtes là, je ne suis pas toute seule, il y a une infirmière. Après, on n'est pas forcément bien vu dans tous les services parce que y en a. Ça m'est déjà arrivé que j'arrive et que j'ai une collègue qui ne soit pas forcément très agréable parce que des intérimaires, elle en a vu plein. Je ne sais même pas s'il n'y a pas plus. Ça va ? Ça va. Je vous fais souffrir ? Attends, qu'est-ce que je n'ai pas ? Bon. Je peux y aller alors ? Vous pouvez y aller. Après, bon, on se donne quand même à 100% parce que. Faut que l'établissement aussi nous rappelle pour dire qu'ils ont besoin de nous. Un intérim, il est tout le temps à 150%. C'est à chaque fois une nouvelle embauche.